Bonjour, c'est Cody, bienvenue sur Cody Gaming pour l'épisode 8 du Let's Play d'Occupy Mars. Et on se retrouve simplement à la base pour cet épisode, même si j'ai farmé un petit peu depuis le dernier épisode. Alors j'ai farmé un petit peu, vous allez voir, c'est pas grand chose, mais c'est peut-être suffisant pour ce qu'on a besoin de faire. J'ai ramassé du calcium aussi, alors, attendez, parce que là il y a la fenêtre qui se met, voilà. Du calcium, c'est ça, du calcium qui est ici. J'ai aussi du fer, du silicium et de l'aluminium. Alors vous avez vu que le fer j'en ai 101, l'aluminium j'en ai 95. Le calcium, j'ai pas grand chose, mais je sais pas à quoi ça me sert parce que jusque-là, je n'ai pas encore vu, j'ai pas eu besoin. Et du silicium un petit peu, mais ça, le silicium, on en avait déjà. Donc, ce qu'on va faire, les viewers, pourquoi on se reprend juste avant la nuit en fait? Déjà parce que j'ai vu qu'il y avait un petit message qui disait que ça allait baisser d'ici une heure. Et moi, je vois qu'il y a mes plombs qui se flétrissent. Alors, je sais pas où ils en sont exactement une journée. Parce qu'il faut savoir que j'ai joué qu'une journée en fait, l'équivalent d'une journée in-game, j'entends, hein, pas IRL. Et en l'occurrence. Ouais, voilà, donc là, il fait un peu froid. On se déplacera entre la base et la notre navette. Mais on va le faire juste après en fait. Là c'est pas mal. Je crois qu'il peut pas. Alors je suis à 97%, 98, 99. Alors, les premières sont à 4. Voilà, plante récoltable. Ça c'est bien. Alors j'ai ramassé une plante. Est-ce que je peux la manger? De toute façon, j'ai une petite barre de faim, mais faut qu'on teste. Hein. Alors patate, est-ce que je peux la manger? Ça a remonté, donc ça fonctionne. Yes. Alors, ça c'est cool. Va falloir que je transfère tout. J'espère que c'est pas pourri en fait. Parce que ça se flétrit. Elles sont à 50%. En plus, j'ai reçu 4 patates là. Ça m'a mis 4. J'ai 4 patates. Oh, j'ai 4 patates, c'est excellent. Alors par contre, ça va pourrir. Mais alors du coup c'est vrai que j'ai un masse de patates, c'est génial. Alors du coup il faut un frigo et il faut un fabricateur d'aliments, histoire que j'ai des méreux en fait. Parce que c'est ça qui fabrique les méreux. Alors, il y a plusieurs trucs à voir justement, ça tombe bien qu'il fasse nuit avant que je dorme, en cas si je suis une connerie. Ça je vais pouvoir ramasser au fur et à mesure. Déjà, première chose, dans l'arbre technologique, là j'ai eu un point. Alors ça c'est juste avant qu'on démarre la vidéo, donc ça tombe bien. Et moi ce que j'ai fait, alors c'est soit ça, station de traitement permettant d'extraire les graines des plantes récoltées. Ça pourrait être intéressant. Synthétiseur d'aliments. Ça pourrait être intéressant aussi. Le problème, c'est que je n'ai que un. Alors, fanaison plus lente, ça, je m'en fous un peu parce que c'est pas fané. Le transport des plants lors du repiquage. Alors, ça, à l'arrière, je m'en fous. Ça, c'est juste un gain de temps. Vous avez vu, je l'ai fait à la main parce que c'est juste à côté, donc c'est pas forcément super important. Par contre, c'est ça en fait qui m'embête. C'est les graines. Enfin, si j'ai bien compris ce mécanisme-là, bien sûr. Vous me direz dans les commentaires hein, si j'ai une bêtise ou pas. Pour faciliter ou pas le transport, là, je m'en fous un peu en fait. C'est facilité, mais bon, vu que c'est à côté, écoutez, ça me prendra 5 minutes, mais bon, un point, c'est super précieux. Fanaison plus lente à l'arrière, j'en ai pas encore, là, de flétrissement, donc j'ai pas trop de problèmes. Sans perte pour préparer les rations nécessaires à la vie sur Mars. Ou alors ça. Écoutez, je vais prendre celui-là, parce que là, en fait, bon, les points vont augmenter tout seuls. Hein. Attends, il y a quoi dedans? Traitement des semences. Et semoir à main, ah ouais. Parce que semoir à main, j'en ai un déjà. Et je sais pas en fait si je pourrais fabriquer d'autres graines, donc je vais prendre ça. Écoutez, je vais prendre ça. Voilà. C'est peut-être une connerie. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Dans l'électricité, j'ai un point aussi. Alors, électricité, ça m'intéresse beaucoup, notamment pour l'amélioration des batteries. Parce que, alors, pour le moment, je vous avais pas vu, hein, mais j'ai 6 panneaux solaires en fait. J'en ai 8, pardon. J'en avais 6 à la dernière vidéo. En fait, j'ai rajouté ceux qui étaient sur la navette, pour ceux qui ont suivi tous les épisodes. Il y en avait deux. Il y en avait un sur la navette, un pour le véhicule. Du coup, j'ai mis les 8 en fait sur notre base actuelle. Donc du coup, j'ai chacun produit 6 kW, donc 6 x 8, 48. Sauf que le problème, c'est que la batterie, elle supporte que 180 de stockage, c'est-à-dire qu'elle va pas faire la nuit. Donc il faut absolument que j'améliore aussi la batterie. Voilà. J'ai plus de points. Dans les matériaux, j'ai plus de points. Et en mécanique, j'ai 3 points en mécanique. Alors là, par contre, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être faire... alors attendez, parce que déjà je peux pas le faire, j'ai pas ça. Desk électronique, je ne l'ai pas. Donc c'est pas la peine que je cherche. Par contre, je peux faire le compresseur. Ça, c'est pour nettoyer les panneaux solaires. Donc si j'ai une tempête de sable, ça pourrait être utile. Et après, je suis recoincé. J'ai un extincteur, mais là, il faudrait que j'ai un feu. Donc j'ai gardé mes 2 points. Voilà. Mais bon, au moins... là, peut-être que dans cet épisode, on va vraiment bien avancer, donc ça peut être cool. C'est pour ça aussi que j'ai un petit peu farmé, c'est pour ça qu'on peut se mettre bien. Et là, test qui est scientifique. Ah non, c'est scientifique, pas électronique. Le problème, c'est qu'il va falloir vraiment que je farme, que j'aille... Parce qu'en fait, là, les plans requis, en fait, j'ai l'impression qu'on les a uniquement en allant farmer en fait à droite à gauche dans les anciennes navettes, et on les trouve en fait dedans.
Le truc, c'est que là, moi, j'en ai eu que deux et j'ai pas pu tout débloquer. Donc, j'espère juste que j'en trouve d'autres. Donc, il va falloir que j'explore en fait le monde. Hein, ça, c'est plus ou moins une obligation. À moins qu'il y ait une autre solution. Enfin bon. Bref, est-ce que j'ai d'autres patates actuellement? 99, 61. 99, 61. 99, 39. Et 99, 39. Ok. 98. Ouais, donc les autres après sont un petit peu plus basses. Bon. Mais ça va assez vite. Ici, du coup, je peux en planter une autre. Moi, ce qui m'étonne, c'est ceux qui sont évidemment à 100%. À 50%. Parce que c'est-à-dire qu'ils sont au maximum. J'en prends une là, je vais la mettre là-bas en fait. Je sais pas si ça a du sens ou pas, mais enfin. Faudrait que je repasse de toute façon, parce que toutes celles qui sont à 99%, là, il va falloir. Les plantes se flétrissent, mais lesquelles plantes? Il y a plus d'eau? Il y a un problème. Attendez, combien il y a? Oxygen, 75%. Ah bah, là, c'est bon en fait. Là, j'ai même un petit peu trop. Ouais, mais c'est parce que j'ai un. Oui, j'en ai un en moins, donc on va pas toucher à ça. Non, ça a l'air d'être bon en fait. Hein. Enfin, en tout cas, c'est alloué. Après, est-ce que. Ah non, la flotte, par contre, là, il y a zéro là. Là, il y a un problème de flotte. Il y a un problème de flotte. J'imagine parce qu'en fait, il faut une batterie. Il faudrait une batterie aussi sur le. Ouais, sur le générateur de flotte, et je pense que c'est pour ça que ça marche pas. Donc en fait, ça va se flétrir toute la nuit. Alors, si c'est que cette nuit, ça va, parce que demain matin, ça va tout va revenir. Hein. Ouais, ça va être un problème. Donc il va falloir que je mette aussi une batterie et un panneau solaire aussi sur le truc de flotte. Bon, juste un tout petit suffira. Donc on va essayer de faire ça. Je vais sortir. Je vais déjà voir combien coûte l'amélioration déjà. Parce qu'on va essayer de... Hey, tant qu'on est à l'intérieur qui fait chaud, moi je prends l'amélioration de la batterie. Alors ça je peux le faire déjà. Alors ça je peux le faire. Vous savez quoi donc, hey, je vais le faire maintenant. Après tout, puisqu'on y est. Et puis après, on peut mettre un frigo aussi, mais bon, le frigo. Alors attendez, j'espère que ça coûte pas cher ça. Enfin, en énergie, j'entends. Allez, on le pose. On le pose, on va essayer de le faire. Oh, je sens que ça va être la misère. Je sens que je vous assure. Voilà, combien ça demande? 20. Bon, ça va, c'est pas la mort, 20. Et si je demande à faire par hasard le frigo? Parce que tant qu'on y est. Déjà, si je peux faire beaucoup de choses. Alors, ça, faudrait que je le fasse aussi. Ça, c'est sûr. Stockage. Amélioration, mais ça. Alors, ça va. Ça, je peux le faire. J'ai le même de la marge. Non, ce qui m'embête, en fait, moi, c'est le stockage. Il n'y a pas un stockage. Incubateur. C'est une espèce de... C'est soit frigo, soit stockage. Parce qu'en fait, le nom se faisait mal. Ça, on l'a fait la dernière vidéo, en plus. Bah, attendez. Je ne le vois même plus. Alors là, du coup, il va falloir m'expliquer. Ça, non, forcément. Alors, je comprends pas. Les viewers, là, je comprends. Ah, bah, c'est ça! Armoire de stockage. Donc là, ça va encore me pomper 3, mais au pire, c'est pas grave. C'est un frigo, en fait, ça. Je vous assure, c'est un frigo. Ça ressemble pas, mais c'est un frigo. Alors, en soi, c'est pas la mort, parce que je vous rappelle, je produis 48. Mais comme ma batterie, elle est. En fait, 48. Si je consomme que la moitié, ça va. Parce qu'en fait, du coup. Ce qui va se passer, c'est que les panneaux solaires, en fait, ils vont produire le double en journée. Et la nuit, bah, vu qu'il n'y a rien, du coup, il y a la moitié de ce qu'ils produisent en journée qui va être mis pour la nuit. Juste en admettant que la batterie supporte. C'est juste ça qui est important. Donc je vais sortir, évidemment, et je vais mettre le bon, et puis je vais en profiter pour crafter la batterie. Même si là, il fait froid, donc il y a des chances que je dorme. Mais bon, ce qui compte, c'est que quand même, ça... Enfin, j'ai réussi à avoir des patates, donc ça, c'est super cool. Et là, les autres n'ont pas bougé. Donc, bon. On va les poser ça vite fait à l'extérieur. Attendez, juste vérifier, parce que maintenant que j'ai posé ça, juste vérifier qu'au niveau de la construction... alors c'est cool, parce que finalement j'ai peut-être trop farmé. Non, parce qu'il y a l'opérateur de CO2 qu'il faut que je fasse, il faut que je m'occupe de ça. Et là, il me faut une plaque en verre et un petit circuit imprimé. Je sais pas si je peux faire tout ça, mais... il va falloir que je le fasse, ça je m'en fous. Et ça, je peux le faire. Donc en fait, non, ce qu'il faut que je crafte là, ce que je peux faire en craftant, c'est une plaque de verre et un petit circuit imprimé. Une plaque de verre, un petit circuit imprimé. Et comme ça, j'aurai aussi l'autonomie. Parce que, je vous rappelle, hein, l'objectif, c'est d'avoir l'autonomie en fait sur l'énergie. Ça, c'est plus ou moins fait. La nourriture, bah, c'est en train de se faire. La boisson, j'ai réussi à le faire. Et il me reste le... donc la boisson, c'est bon. La faim, c'est bon. L'oxygène, c'est bon aussi. Hein. Enfin, parce que je le fais avec la navette. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on n'utilise plus la navette. Et c'est pour ça que l'épurateur d'air me permettra justement de me libérer aussi de la navette pour avoir de l'oxygène. Donc en fait, l'oxygène, je la ferai dans l'épurateur d'air. La bouffe, ben, elle est ici. L'eau, elle est dans la pompe à eau que justement j'allais améliorer aussi. Il faut que je pose une batterie. Attendez, du coup, il faut que je pose une batterie aussi pour ça.
Faut que je pose aussi, faut que je vois aussi ce que j'ai besoin d'une petite batterie là. Pour. Et il faut un panneau solaire. Donc là il faut des cellules solaires. Voilà, il faut que je fasse 5 cellules solaires. Et une batterie. Et un petit circuit imprimé. Donc faut que je fasse 2 petits circuits imprimés. Une plaque en verre. Enfin 2 plaques en verre du coup. Ouais, 2 plaques en verre. Donc faut que je mémorise. Plaque en verre, circuit imprimé et 5 cellules solaires. Et normalement le reste devrait aller. On va voir ça. Donc j'ai fabriqué ça. Et donc là on aura l'autonomie, c'est-à-dire que la navette ne me servira plus à rien. En théorie. En théorie. Et ça serait déjà bien, je vous assure que c'est déjà bien. Là pour une fois. Voilà, ouais, forcément j'ai plus assez d'énergie. Alors, faut que je fasse gaffe aussi parce que je vois que j'ai pas beaucoup de flotte sur moi, parce que j'ai niqué, enfin au cas où vous savez pas, au cas où vous rappelez plus, j'ai niqué une bouteille de flotte, je la trouve plus. Enfin je l'ai niqué, en fait je l'ai pas niqué mais je la trouve plus. Donc j'ai dû la faire tomber un moment, puis bah du coup foutu quoi. Bon c'est pas grave. Alors on va se mettre ici. Voilà, donc on va faire déjà, on peut crafter parce que vous savez qu'il est 3h36 du matin. Donc avec un peu de chance, je vais même pas dormir. J'en ai pas besoin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Cellules solaires, il m'en faut 5. Alors, je peux juste le faire avec l'aluminium, ce qui me pose problème parce que si j'ai besoin... Ah oui, mais en même temps, j'en ai ramassé. Attendez, j'en ai ramassé. Donc voilà, cool. Bah du coup, c'est bon, je peux les faire, les 5. Donc on va faire ça aussi, comme ça on sera tranquille. Puis je pense que le truc de flotte, il devrait... Oui, parce que lui-même, il a aussi un panneau solaire sur lui. Donc c'est bon, c'est bon. Donc on va faire ça. Donc les 5, on a dit 5 cellules solaires. 5. On ajoute ça. Donc ça tente de crafter, c'est bon. Ensuite, on va faire les fameux plaques de verre. Est-ce que je peux faire des plaques de verre? Ah bah si je peux faire des plaques de verre, c'est un peu le problème réglé, quoi. Ah si, plaques en verre, je peux. Ok, ouf. Donc là, il faut que j'en fasse 2. J'ai ce qu'il faut aussi, hein. Y a pas de soucis. Et il faut que je fasse aussi, j'avais dit, c'est pas les petits moteurs, c'était... Bon, là c'est un peu limite, hein. Je vous avoue, je le fais. Bah, peut-être que je peux pas le faire. Vas-y, bouteille d'eau, sans déconner. Quand est-ce que je débloque ça? Quand est-ce que je débloque ça? Parce que en plus, ça demanderait, vous avez vu, un silicium, un fer. Donc, les plaques en verre, c'est bon. Et qu'est-ce que j'avais dit? Je me rappelle plus. Qu'est-ce que j'avais dit? Bon, je peux retourner voir ceci dit. Hein. J'ai déjà oublié. Peut-être que c'est pas craftable ici, c'est pour ça en fait que je trouve pas. Parce que j'essaie de le mémoriser. Donc, ça, je m'en fous. Ça. Ouais, petit circuit imprimé. Voilà. Petit circuit imprimé. Et ça, par contre, ça, c'est peut-être que je peux pas avoir ça. Petit circuit imprimé. Et je peux pas le faire. Voilà, petit circuit imprimé, on peut pas faire. Je suis pas étonné, en fait. Il m'en faudrait 2, sauf que, bah, en fait... Alors, peut-être qu'il faut que je fabrique... Le problème, c'est que si je peux pas faire ça, en fait, je peux plus rien faire. Je vais aller voir mon inventaire. Circuit imprimé standard. Alors j'ai 3 circuits imprimés. Ils se superposent pas. Et je peux faire des petits circuits imprimés. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a mis? Les plantes se flétrissent, mais ça c'est pas grave ça. Bah là il faut que je me renseigne là-dessus. Parce que sinon coincé quoi. Ou alors après il faut que j'aille le trouver peut-être. Peut-être que je peux en trouver. Hein. Peut-être que les circuits imprimés en fait ça se... ou là il faudrait que je vide une machine. Bon, va falloir que je fasse ça. Il est 6h21, donc là, normalement, le soleil devrait se lever. On voit qu'il se lève péniblement. Faut que je fasse attention à ma vie, mais vous savez quoi? Attendez, est-ce que je peux déjà faire l'amélioration de la batterie, en fait? Ça serait déjà pas mal, parce que moi, je pourrais avoir l'énergie, ce serait cool. Non, c'est pas là, excusez-moi. C'est pas là-dedans, c'est dans construction. Et là, je suis super embêté. Franchement, hé. Deux circuits... je sais pas où trouver ça. Où c'est que j'ai trouvé ça, quoi? Enfin, que j'aille démonter, en fait, un truc. Plaque en verre, donc, plaque en verre, donc du coup il faut que je la ramasse, mais du coup c'est bon. Alors je peux pas faire les purettes de CO2, ça c'est sûr, mais par contre, panneaux solaires, je peux les faire, voilà, ça c'est ok, et ça aussi du coup, plaque en verre, ça demande pas de plaque en verre, donc ça je peux faire ça, ah bah non je peux pas, parce que il manque le petit circuit imprimé, donc on aura toujours des problèmes de flotte, putain sans déconner quoi. Et ça, faut que je le fasse aussi. Bon, bah voilà, bah écoutez, on sait quoi faire, à moins que je mette un fil électrique, en fait, entre mon générateur et que j'amène ça, en fait, au truc de flotte. C'est pas top top, mais j'ai pas d'autre solution, quoi. Donc, on va essayer de sortir les vieux. Alors, du coup, je vais perdre un peu de vie, hein. C'est pas grave. On va voir. Si j'en perds vraiment beaucoup, je vais pas le faire.
voir combien ça... Mais je crois que c'est quasiment rien, en fait. En plus, il fait pas très très très... Enfin, si, il fait quand même moins 49. Ouais, ça, je sais. Alors, l'amélioration, elle coûte combien? L'amélioration. Et après, bah écoutez, il va falloir que je trouve. L'amélioration. Voilà, donc c'est ça. Ok, ça m'en donne 2 en plus. Alors, je sais pas, 2 quoi. 2, ça donne encore... Du coup, c'est 3 fois. C'est 3 fois. Parce que là on est tranquille, hein, si c'est le cas. Voilà. Je vais les vérifier. Oh ouais, 450. Yes. Alors, c'est pas 2 fois, c'est 2 fois et demi. Mais bon, voilà, 450, je suis tranquille. Et capacité, vous avez vu. Alors là, du coup, il faut que je mette à 23, ça. Comment il m'a demandé? Je crois que c'est 23 qu'il m'a demandé. Je crois que c'est 23. Donc là, normalement, en fait, on a l'énergie qu'il faut. Et bah en plus, il m'en restait en plus. Ça va juste être la flotte en fait. Voilà. Attendez, il y a de l'O2. Il y a de l'oxygène à l'extérieur parce que j'ai dû en générer en fait avec les plantes, je pense. Avec toujours à 99. Parce que je pense qu'il nous manque la flotte en fait. Hein. Mais dès que j'aurai eu la flotte, c'est pour ça que ça pousse mal. C'est parce qu'il faut que je gère la flotte. Je vous avoue, j'ose plus trop en mettre. Là, sont à 50%. C'est elle en fait qui avance pas. Attendez, juste par contre, combien ça consomme? J'ai besoin de combien? 24, c'est 24 qu'il faut, c'est pas 23. Donc je vais les rajouter 1. Voilà. Donc 24, on a dit. Voilà, bon, 48, 24, ouais, je consomme pile la moitié. Donc normalement, si tout va bien, je devrais tenir en fait le jour et la nuit à 100%. Maintenant, c'est un problème de flotte. Et là, le problème de flotte, d'ailleurs, faut que j'en mette de la flotte. Alors du coup, je crois que la température n'est pas bonne, mais ça, pire, c'est pas grave. C'est le bruit, je me disais, c'est quoi ce bruit, là? C'est le bruit en fait de l'appareil. Donc du coup, je vais prendre dans mon inventaire... L'O2, voilà, je suis obligé parce que j'ai perdu une bouteille. Mais d'accord, vous voyez pas d'H2O autre part. Hein. Moi j'ai dit O2, c'est H2O. Voilà, on va faire ça. Alors je sais qu'on peut boire directement aussi parce qu'il y en a qui vont dire qu'on peut boire. Pas assez d'eau. Et merde. Alors attendez, on va faire ça. Oui, je sais, ça va, je sais déjà que je suis pas bon. On va mettre ça, c'est histoire que je puisse avoir juste un peu de flotte. On va débrancher ce truc là, mais j'avoue que j'aime pas du tout débrancher ça. Parce que la priorité c'est moi en fait, hein. C'est avant. Voilà, 22%. Source empty, hein, sans déconner. Ah. Alors c'est bien, je suis à 59. J'ai réussi à remettre un peu de flotte, c'est déjà ça. Je la rebranche. Par contre là il faut vraiment que j'aille en fait au chaud parce que visiblement ça pose problème. Alors il est 8h26, donc 8h26 c'est bon. Hein. C'est quoi ce truc là au passage? Je sais pas, oh, ok j'ai récupéré. Un silicium, écoutez, toujours ça. Puis il faudrait que je branche aussi mon quad là. Enfin, le problème c'est qu'il faut vraiment des petits circuits en fait. Sauf que je sais pas où les choper. Sinon je suis coincé. Alors, bon, au final aussi j'ai pas assez d'énergie, il va falloir vraiment que je donne de l'énergie aussi. Je vais me prendre de l'énergie. Je vais faire ça. Alert. Low power. Radiation detected. Alert. Alors il y a des radiations, sauf que je pense que c'est parce que j'ai plus d'énergie, je pense. Je me recharge, hein, vous avez vu, ma combinaison elle coûte que dalle comparé à la reste. Voilà. Vous avez vu, hein, c'était rapide. Voilà, ni vu ni connu. Et tout est rebranché et tout va bien. Juste en assurer quand même. Que tout 100%, voilà, donc les 48 aillent vers la batterie. Donc c'est bon, ça marche. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est un petit circuit imprimé. Je suis où niveau température? On est à moins 28. Mais j'ai plus de problème de froid en fait, vous avez vu? Alors les plantes se flétrissent parce qu'elles ont pas d'eau. Donc il faut un petit circuit. Un petit circuit pour fabriquer l'épurateur de CO2 et pour fabriquer la batterie pour le truc de plante. Et là, après, on sera full autonome. C'est flétrissant, j'espère que pas trop longtemps qu'elle va se flétrir.
Je disais bien aussi, parce que ça je l'avais vu en fait en allant me coucher. Alors après, quand c'est que des demi-journées, vous avez vu que le lendemain, voilà, tout redevient normal, on n'a plus de problème. Mais alors je vais ici, je sais pas si ça repop, je sais pas si, voilà. J'espère que ça repop, parce que sinon... Attendez, je vois, il y a des choses. La température, il est 9h20, donc c'est bon, là on commence à être bien. Je vais bien faire ça. J'essaie de glitcher, hein. Je peux pas ouvrir, je peux... Attends, je vais vérifier, que je peux rien faire. Non, déjà, je vais enlever ça. Je vais à la main, en fait. Parce que si je peux avoir des petites cartes... Sinon, on va aller dans l'autre bâtiment. Il faut absolument que je trouve ça. Il y a rien dedans. Ouais, merde. Vraiment, je trouve ça. Manque de sommeil. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas dormi. Faut que je redorme la nuit prochaine, donc Enfin, j'ai pas dormi maintenant, je peux juste ne pas mourir maintenant, parce que... Putain, sans déconner, les petites cartes à la con, là, sans déconner. J'éclaire encore parce qu'on voit rien. Et après, on sera totalement autonome. Y'a rien là-dedans, y'a rien. Faut vraiment que j'aille dans l'autre bâtiment. Je vais retourner voir dans l'autre bâtiment, les vieux. De toute façon, il faut que j'explore un peu. C'est juste que c'est un peu con, parce que j'aurais bien voulu faire ça, terminer mon histoire d'épurateur, etc. Parce que c'est vrai que si j'ai une tempête ou un truc comme ça, parce que je sais qu'il y a des tempêtes de sable, j'ai eu des tempêtes de sable en fait pendant mes tests. Mes tests rapides. On va éteindre ça. Je suis juste dégoûté en fait qu'il n'y ait pas de carte quoi. Faut pas Il n'y a pas de carte hein, dans les trucs d'oxygène. Non, ça, alors ça je peux le disquer hein, puisque j'y suis, mais ça va pas me... Ok, et ça je peux le farmer. Ça ne donnera pas une petite carte, hein. Ça je vous le dis. Hein. Une plaque d'aluminium, voilà, donc ça donne des choses, mais ça je sais pas si c'est réapparu ou pas. C'est vrai qu'une plaque d'acier, tout ça c'est bon à prendre. Et je vais aller à l'autre station. Hein. Et la petite circuit quoi. Ou là il faut que je transforme les petits circuits. Enfin je sais pas en fait qu'est-ce qu'il faut pour en faire. Je pense qu'il faut aussi que je débloque des outils peut-être qui me permettraient d'en faire. Parce que j'imagine que je vais pas attendre hein, de... Enfin, je vais pas aller forcément farmer pour essayer d'en trouver quoi. Voilà. Si l'imprimante 3D m'en donne pas. Alors si vous avez une solution, les viewers aussi je suis preneur. Hein. Peut-être que c'est sous mon nez. Vous direz dans les commentaires. Donc je prends des points en haut, hein, je sais pas si vous voyez. Je prends de la botanique et de l'électricité là en fait. Bah c'est normal en fait, c'est en train de farmer pendant que je suis pas là. C'est un peu le putain d'automatiser tout ça. Et donc je vais essayer d'aller à l'autre point qui est juste derrière. J'ai combien de batterie là-dessus? 83, donc c'est bon. Ah, j'étais bien lancé. Bah voilà, tiens, nouveau point en botanique. Bah c'est parfait, c'est ça que je voulais avoir. Parce que du coup je vais pouvoir mettre... Qu'est-ce que je voulais mettre en botanique? Ah oui, le fabricateur de semences. À partir de plants, c'est-à-dire que je pense que je pourrais avoir des graines de patates sur les patates, quoi. En gros, c'est ça. J'ai regardé ma carte si je vois autre chose. Si vous avez un autre plan aussi, parce que je pense qu'il va falloir que je m'éloigne. Hein, là, jusque-là, je fais pas beaucoup de distance. Mais j'ai pas besoin de faire plus, en fait. Dites-moi, je peux trouver des petits circuits, en fait. Dites-moi juste ça. Des petits circuits, il m'en faut deux, quoi. Alors je sais qu'on peut aussi les réparer, mais j'ai pas le bench pour faire ça. Donc voilà, donc problème, sinon bah écoutez les viewers, de toute façon on se laissera là-dessus. J'imagine que hors vidéo, hein, je vais essayer de me démerder pour me renseigner sur le sujet. Sinon on va pas avancer. Et alors, on va aller fermer un petit peu la base. C'est vrai que ça on l'avait pas trop fait en même temps, donc c'est pas plus mal. Je vais aller défoncer un peu la base. Il est 11h, donc faut que je me dépêche parce que ça descend super vite. Et je vais voir s'il n'y a pas des appareils que je peux fouiller pour récupérer leurs cartes. Leur circuit. On va bien regarder. Déjà là, il y a une machine qui est là. Une machine qui est là. On va voir s'il n'y a rien dedans. Bon, c'est un truc à flotte encore, donc ça sert à rien. Ça, il n'y a rien dedans. C'est... Ok. C'est moi ou... Ok. Ok, on est d'accord, hein, les viewers. Hein.
Ça fait ce que ça veut. Vous avez vu, hein, on est d'accord, hein, c'est... Alors, est-ce qu'il y a une petite carte là? Non, c'est des débris, hein. Y a rien, y a rien là-dedans. Alors, c'est bizarre parce que là, j'ai l'impression que ça a pris beaucoup plus de dégâts en fait. Ça, c'est... Ouais, ok. Faudrait qu'on aille voir peut-être derrière là-bas. Mais attendez, sur la map, il y a quelque chose ou quoi? Oh, sur la map, il y a... Ah si, là, il y a des choses là-bas en fait. On pourrait aller là-bas. C'est peut-être ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire si jamais on trouve pas de carte, parce que là, ça fait un peu de route, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok, j'ai tout traversé sans faire exprès. Non, ça c'est pas, ça pète là-dedans, c'est clair. Donnez-moi juste un petit appareil, quoi. Alors ça, je peux le crafter, hein. Enfin, je peux récupérer. Là, peut-être là-dedans. Y a rien. Je peux rien cliquer. Là-dedans, est-ce qu'il y a des choses? Donnez-moi un petit circuit là. Des fois, il y a des petits circuits là-dedans. Ça, on l'a vu dans l'autre base. Il n'y a rien, ça que vous allez me dire. Il n'y a rien dans aucun des 6. Voilà. Donc, les viewers, eh ben, déception. Déception. Il n'y a même pas de petite tablette, un truc comme ça, un truc qui pourrait m'intéresser. On va aller au truc suivant. Ça va être limite pour rentrer, mais on va le faire. Alors, sur la carte, du coup, on est où là? Donc là, nous on vient de là. Ok, et là, je voudrais aller là. Donc, on va continuer un peu à droite en fait, par rapport à la base. Je vais pas me repérer, mais je pense que c'est. Je pense que c'est tout droit en fait. Voilà. Ça va être juste, hein, mais on va essayer. Parce que c'est vrai qu'il est midi déjà. Après, le soleil il se lève assez. Est-ce que j'ai assez de batterie? 72% c'est bon. Après non, c'est pas si loin que ça en fait, hein. C'est la même distance à peu près qu'entre notre base et ce point là. Faudra juste que je revienne après pile en arrière. Du coup je m'aventure un peu loin, hein. J'espère que j'aurai assez de batterie. Sinon je suis obligé de laisser le véhicule en rade. Alors je sais pas combien il lui avait, mais en gros faudrait que j'y arrive en fait à moins de 50%. Comme ça je sais que j'ai 50% pour rentrer. Je sais que je l'avais pas rechargé, donc il me semble que j'étais à 80%, donc oui, on a un peu de marge. Hein. Et je continue à prendre des points, et ça c'est cool, par contre la joie est... Hop là! Bah, attendez, on va aller là-bas. Ça je l'avais pas vu, ça. C'était aussi gros que ça. La vache, là c'est une sacrée base, je pense que c'est notre base. Je vais aller la piller, je prends beaucoup de vitesse. J'arrête d'accélérer les vieux, je sais pas si ça consomme plus ou moins de batterie. Là je prends beaucoup de vitesse, enfin, je me plante. Putain. Oh putain, oh putain, putain, putain! Oh la vache! Bon ça va, je sais pas me retourner, il faudrait que je fasse attention. Ok. Alors, sa vie a l'air d'être bien. Voilà, moi il faut vraiment que je trouve en fait des petits... Est-ce qu'il y a des circuits là-dedans? Ce serait super cool parce que s'il y a des circuits là-dedans, je suis riche. Mais non, c'est pas le cas. Ok, j'ai posé mon véhicule n'importe comment, c'est pas grave. Ça, je pense que c'était la base en fait où on a démarré le let's play épisode 1 et 2, les viewers. Si je fais une grosse connerie, de toute façon, on va rollbacker parce que ça va planter. Voilà, je sais même pas si j'ai assez de nourriture, si j'ai assez de choses. Tout est vide là-dedans. Le hangar est vide. Là, il y avait une station de lancement de navette. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit en fait? D'accord. Ok, donc là, il y a des radiations, je peux même pas y aller. Ok, c'est pas grave. Je vais voir si je vois des circuits ou pas dans les satellites là. En fait, je viens là absolument pour rien, les viewers, parce qu'en fait, il y aura rien. Ça va être la misère. Je vous assure, ça va être la misère. Au moins, on aura essayé. Donc là, les viewers, hein, s'il n'y a rien en vidéo, enfin, s'il n'y a rien, je ferai tout hors vidéo. Il n'y a pas un petit panneau là, sans déconner, vous avez rien là. Je sais pas, ouvrez-moi un petit panneau là. Comment je l'ai fait, moi, les circuits. Ouh, c'était tendu ça. C'est un coup à crever ça. Bon, on va aller de l'autre côté vite fait. Il est déjà 14h, donc j'ai pas trop tardé.
En plus de ça, vous avez vu que là j'ai pris une sacrée descente, donc à remonter j'aurai pas la même vitesse, ça c'est clair. Alors je sais que quand on fabrique des rovers, ça va plus vite. Hein. C'est vrai que c'est un peu le rover de base en fait. En plus il y a des radiations partout, c'est abusé. Il y a des radiations partout les vieux, donc du coup je peux rien faire. Bon, je vais aller dans le sas là. Et puis on va essayer de trouver des choses. Voilà, en espérant qu'il n'y ait pas des radiations partout. Hein. Vous avez vu ça, la tronche que ça. Donc là c'est fermé, donc je vais même pas y aller. On va aller voir dans le dôme là-bas. Et n'empêche, à part ça, c'est sympathique. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Voilà. Mais en tout cas, il y a de l'idée. Hein. Allez, vite. Donc ça, là-dedans... Oxygen, 50%. Suit power, 75%. Cassé, je peux pas y accéder. Je peux pas rentrer là. En fait, il y a un tas de navettes aussi. Je peux pas rien récupérer dans ces navettes là. Il y a des petits circuits là. Donnez-moi des petits circuits. Attends, je peux aller dedans. Ouais, je peux aller dedans. Mais sauf qu'il y a rien quoi. En fait, c'est vraiment la base abandonnée. En fait, il y a rien. Je peux même pas farmer en fait. Vous avez vu, il y a même pas de trucs pour farmer. Tout est vide. Donc en fait, je suis là, c'est absolument pour rien en fait. C'est naze. Donc bah, je vais rentrer, les vieux. Écoutez, est-ce que c'était bien là où je voulais aller déjà? Ouais, en fait, on n'en voit pas. C'est là que je voulais aller, moi. Est-ce que je peux mettre un point du coup? Est-ce que j'ai un point sur la carte? J'ai rien, on est d'accord, donc ça n'a pas marché. Ok, bon, c'est pas grave. On va en rentrer gentiment les viewers parce qu'il est déjà 15h et moi je me méfie qu'il fasse nuit. Il faut en plus Il faut absolument de l'énergie. Enfin, il faut de la lumière. Donc, là si. Oula, j'ai tenté de taper ma tête. Oh non, 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 non. Voilà. Ça va. Eh les viewers, regardez, si je me coince, je fais quoi moi? Eh ça va être la guerre. Eh sans déconner. Eh les développeurs là vous foutez de ma gueule. Là juste vous foutez de ma gueule. Je vais voir si je peux les casser mais je pense pas. Voilà, donc en fait, eh ben je suis obligé d'attendre que ce. Voilà, superbe. Et je rentre à pied. Bah, attendez, non. Donc je pense en fait que les viewers, ce qu'on va devoir faire en fait c'est rollbacker. Enfin moi j'ai rollbacké parce que vous allez pas... J'essaye de tourner, peut-être que ça va le déglitcher. Quand je tourne en fait ça bouge, voilà ça bouge plus. Voilà, donc là voilà comment merder le truc. Eh les viewers, vous êtes témoins ce coup-ci, hein, c'est pas moi qui déconne. C'est vraiment de la merde. Voilà, j'ai coincé le véhicule totalement. Ah, ça bouge quand je rentre, quand je sors. Et au passage, il y a une carte électronique dans le quad. Hein. J'ai totalement coincé le truc, quoi. Regardez ça. Voilà, superbe. Allez, ça c'est fait. Et ben j'ai rollbacké. Voilà. Et ben les viewers, ce qu'on va faire, on va se laisser ici. Voilà, je sais pas si ça vous aura plu, mais en tout cas, moi je. Ah bah non, je suis pas mort. Je suis pas mort, c'est juste que ben je suis mal barré. Je suis pas mort. Mon véhicule est toujours là. Je pensais que j'allais rollbacker, je pensais que j'allais perdre tout. Alors j'ai pas besoin de kit de réparation. Parce que là je suis quand même un peu. Je vais pouvoir rentrer. Alors, il est 16h, hein, donc vous avez vu, j'ai pris des jetons. Normalement, c'est par là. Hein. Je vais vérifier quand même. Bon, je vais vérifier ou pas. Pas besoin. C'est bien par là. Hein. C'est bien par là que je suis arrivé. J'espère qu'en côte, le véhicule va aussi vite. J'ai 58%.
Encore une fois, j'ai essayé d'économiser un maximum l'énergie. Je suis content que ma base, à part ça, fonctionne. C'est juste qu'il manque deux circuits imprimés et là, il va falloir que je les trouve. J'ai cru vraiment que j'allais tout péter, les vieux. Je vais m'assurer quand même sur la carte que c'est bon. Pourquoi ça marche pas? Faut que je descende. Ils sont déconnés. Et ça, par contre, ça fait chier. Je vais prendre la carte. Alors, comment on fait? J'ai mis un point. J'ai mis un point rouge. Juste à côté, hein. Ouais, ça suffira. Nickel. Ce qui compte, c'est qu'on voit à peu près où c'est. Donc, j'ai pas fait de crochet, hein. J'essaie juste de rentrer, de survivre. Je pensais qu'on allait se laisser là, les vieux, mais bon, je vais juste vous faire la rentrée, puis en même temps discuter sur ce jeu. Bon, vous voyez que le bug là qu'on vient d'avoir là, enfin, pour moi c'est un bug, hein. C'est pas prévu, hein. Je suis désolé, ça n'a pas été prévu d'avoir un truc pareil. Et après, bah, on a un problème. Comment fabriquer des petits circuits imprimés? Alors, ça se trouve, c'est moi qui ai passé à côté de quelque chose, et c'est très simple. Là, il y a des petites bosses, c'est pour m'emmerder. Ça, c'est pour me faire faire des sauts, en fait, histoire de me renverser et de me tuer ou de tuer le quad. Parce que là, j'ai déjà mon casque, vous avez vu, qui a pris super cher. Alors, j'ai pas de fuite, a priori. Sinon, ça râlerait. Ma santé est au maximum, hein, donc je dois avoir des kits de réparation, je pense, sur moi. Et j'ai faim et soif aussi, donc là, il va falloir absolument que je remplisse de l'eau aussi au passage. Ah, faut que je remplace le casque en plus. Je peux pas le réparer. Alors, j'espère juste que je vais pouvoir quand même rentrer d'ici là. J'ai fait un tiers du chemin. Si je meurs, encore une fois, je rollbackerai, mais je crois que j'ai un kit de réparation en plus. Le truc, c'est qu'il faut que je sois en intérieur. Oxygène, ok. Ce qui compte, c'est que j'ai assez d'oxygène, évidemment, pour rentrer. Ça devrait... Enfin, ça devrait aller, j'en sais rien. J'ai pas envie de m'avancer sur le fait que... Je sens le sapin. Je sais pas si... Vous sentez comme moi? J'ai ralenti vite fait pour voir ce qu'il y avait derrière. Là, niveau... Alors, batterie du véhicule, ça devrait aller. On n'est plus qu'à 500 mètres, donc ça devrait aller. Mais sans déconner, c'est chaud. Ce jeu est chaud, en fait. Bon, maintenant, au passage, aussi, oui, j'ai pas fabriqué de nourriture. Et bon, vu que j'ai mis la bonne batterie, normalement, maintenant, je devrais pouvoir... Enfin, la bonne batterie. La bonne puissance à la batterie. Je devrais pouvoir simplement arriver, mettre mes patates dedans et fabriquer de la nourriture. Et au passage aussi, mes plantes ont dû se mettre bien. Donc on va faire ça vite fait pour la fin de la vidéo, les viewers, là, puis je pense qu'on se laissera là-dessus. Désolé, hein, j'ai pas pu vous montrer plus que ça. J'avoue que je traîne un peu, j'ai l'impression, sur ce let's play. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais... c'est chaud, quoi. C'est chaud parce que... vous avez vu, il n'y a rien vous tue. Il faut galérer de partout pour avoir un peu de flotte, un peu de nourriture, un peu... Alors l'oxygène, ça va encore, mais... sans déconner, quoi. Il y a un moment stop, quoi. Bon, ce que vous allez voir maintenant, en fait, on va prendre 5 minutes. L'oxygène, je suis dans la merde. J'ai l'impression, en fait, que l'oxygène diminue parce qu'en fait, c'est mon casque qui est en train de péter. Donc, voilà. Je vais commencer par la flotte. Donc là, la flotte, normalement, il y en a un peu. Alors, le soleil se couche, donc du coup, il va m'en rester très très peu. Et me dire que... Forcément. Voilà. Ce qui compte, c'est que je remonte en flotte, tant qu'il en reste. 56, 80. Voilà. C'est bon, et je rebranche ça vite fait. Voilà. Ouais, je sais, bah, j'arrive. Je pose mon véhicule, et je vais reprendre de l'oxygène de suite, et je vais réparer mon casque aussi, parce que je crois qu'il y a un kit de réparation. Pour ça, vous aurez tout vu au moins. Mon véhicule, faut le recharger aussi, donc je vais le laisser ici. Il y a 35%, donc ça, il reste un tiers. Oxygène, voilà, oxygène c'est encore là puisque du coup je voulais le mettre dans mon truc, mais comme je sais pas fabriquer les petits circuits, bah voilà. Bon, j'aurais essayé d'en chercher un. Peut-être aussi ils sont sympas, hein, ils nous mettent beaucoup de choses à disposition autour de la navette là. Et puis après, bah c'est plus compliqué. Donc là j'ai fermé, c'est bon. Oxygen source external. Voilà. Donc j'avais pas de problème, j'ai pas crevé puisque c'est pressurisé. Et ce que je voulais faire c'était vite faire remplir ma bouteille d'oxygène, alors. De toute façon, je crois que j'en ai une de dispo, hein, mais là je l'ai fait, c'était... voilà, j'en ai une autre de dispo, voilà, toute neuve. Le casque, on va le réparer, j'ai un kit normalement, on va voir comment ça fonctionne. Et puis là, je vais la prendre dans la main, la mettre dedans, remplir.
et la récupérer. Ici. Voilà. Comme ça, au moins, niveau oxygène, je suis bien. Niveau flotte, je suis bien. Il reste la nourriture. Et je vais aller voir l'histoire de plantes. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui, réparer. Alors, je vous dis, j'ai un kit de réparation, j'en sais rien, en fait. Il me semble. Ouais, ça. Alors, comment on fait? Je l'ai utilisé. Alors, est-ce que mon casque est réparé? Vérifier. Tout ça parce que c'est le jeu qui a bugué. Ouais, c'est pour mon casque qui apparaît. Franchement, c'est ça. Hein. Tout ça parce que le jeu a bugué. C'est pas autre chose. Donc là, on va aller voir vite fait maintenant. Alors, le point, je vais l'enlever aussi sur la carte. Là. Alors, je peux le faire dehors. Enfin, bon, j'aurais pu le faire à l'intérieur. Retirer. Voilà, comme ça, moi, ça c'est fait. Et on va aller voir vite fait pourquoi les plantes. Je pense que c'est parce que. Il n'y a plus de flotte, mais je les enlevés en fait vite fait. Et donc, je peux fabriquer de la nourriture là, donc en théorie. Ah, plante récoltable. Et merde. Ouais, en fait, voilà, vous avez vu? Ça m'enlève celle qui est devant. C'est super pénible. Ouais, superbe. Franchement, vous faites chier. Voilà, c'est là ce que j'ai réussi à récupérer. Voilà, ok. Plante récoltable aussi. Celle-là, elle est pas récoltable. Celle-là, bah, en fait, elles sont toutes récoltables, en fait. Low carbohydrates. Voilà. Donc là, j'ai un maximum de plantes. Est-ce que ici... Voilà, des patates, j'en ai plein. Alors, c'est... Non, ça, c'est le frigo. C'est pas le frigo que je veux, moi. Moi, c'est le... C'est celui-là. Comment ça fonctionne? Warning. Weather alert. Incoming solar storm. Alors, si je fais ça... Je vais débloquer des choses. Ça veut pas. Ça veut pas pourquoi? Parce que j'ai dû en fait récupérer. Voilà. Oh, excellent. Voilà, tempête solaire. D'accord, je sais pas ce que ça va faire, tempête solaire, mais il va falloir qu'on regarde ça aussi. Je termine ça, les viewers. Faut que je referme ça. Ouais, je vais mettre ça au frigo après, je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais. Voilà. Traité, ok, donc là ça devrait être bon. J'en ai vite fait tout ça parce que sinon j'en avoir trop. Là, je suis content. Là j'ai un peu de stock. Donc là vous avez vu niveau nourriture, je pense qu'on a aussi résolu le problème. Alors vous avez vu, les patates ont commencé déjà à s'abîmer. Hein. Alors que là en fait ça s'abîme pas. Donc c'est bien. Traité, ouais c'est bon. Salut traité. Voilà. Donc là j'en ai 19 je crois sur moi, donc je suis large. Ça je peux refermer, ici du coup, alors j'ai eu deux points de botanique aussi au passage, on va regarder vite fait ce que ça fait puisqu'on y est. Botanique, j'ai bien avancé. Donc ça, je vais prendre ça. Botany, technology access level increased. Available point for technological advancement. Ouais. Plus efficace de la station de traitement des semences. Ouais, alors je sais pas. Je vais laisser ça comme ça pour le moment. En fait, le frigo il me sert à rien en fait au passage, les vieux. Hein. Parce que là en fait, si je peux faire de la nourriture, je sais pas. Il va falloir que je regarde ça. Bref, en attendant, il va falloir aussi que je ramasse tout ça. Enfin, pas tout là. Voilà, ce qui compte c'est que je peux manger maintenant comme je veux, ça c'est super cool ça. Je vous assure, je suis super content. Et du coup on a un problème de flotte, voilà. On a toujours un problème de flotte. Bah c'est le flétrice, bah ouais, bah, je me doute qu'est-ce que flétrice, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ceci dit, ça n'a pas changé par rapport à d'habitude. Enfin, par rapport à d'habitude, par rapport à avant, et j'ai réussi à obtenir ça en fait, alors qu'elle devrait se flétrir, hein. Donc en soi, je pense pas que ce soit un gros problème en réalité. Voilà, ça je peux pas, tout le reste est à 40%. Est-ce que j'ai un semoir sur moi? On va faire ça comme ça. Au moins ça me permet, voilà, hors vidéo si je veux, de m'arrêter ici. Alors détecteur spectral ça m'intéresse pas. Petit tuyau non plus, moi ce qui m'intéresse c'est le semoir à main. Voilà, il est là. Il est en 5. Ah, mais je pense que là j'aurai pas assez pour terminer. 6-0. Ok, je suis un jardinier désormais, je viens d'avoir le trophée jardinier. En tout cas j'ai fini, j'ai plus de...
de graines sur moi. Ça va pouvoir farmer. Tempête solaire. Et ça, tempête solaire, je sais pas les dégâts que ça va faire. Ce que je vais faire, les viewers, c'est que j'ai vite sortir avant de. Une trop prochaine heure, donc ça va. Voilà, je vais vite sortir. Alors je sais qu'il fait froid dehors. Heureusement que j'ai ma navette juste à côté. Parce que j'ai pas de lit encore hein, dans la navette. Donc je vais pouvoir me mettre bien ici. Hein. Et comme ça, ouf, j'ai envie de vous dire que je suis riche. Je suis riche. Je suis riche parce que là, j'en ai combien sur moi? Alors j'ai dit si, il faut que je pose. Ouais, ça c'est vide. Mais sinon, voilà, j'en ai. C'est écrit 1. Un seul. Ça, j'en ai que. Non, fois 19. J'en ai 19, voyez. Donc en fait, je pense que j'aurai pas trop de problèmes niveau faim. D'ailleurs, ma faim, faut que je mange d'ailleurs. Attendez, par contre, c'est juste 5%. Ça donne juste 5 putain de pourcents. Attendez, pourquoi les rations que moi j'avais, elles donnaient je sais pas combien. Et là, on est, là, j'ai juste 5%, quoi. Attendez, là, j'ai ça et j'ai ça. En fait, attendez, stop. Pourquoi j'en ai 14? Et là, en fait, c'est des petites rations. Et là, c'est des grosses rations, en fait. C'est la donne entre 36 et 48. Et c'est la donne entre 4,8 et 6. Mais je les ai où, en fait, celle-là, moi, les 14? Non, parce que c'est de la merde. Je comprends pas. Je comprends pas, faudrait que je re-regarde la vidéo là pour savoir combien j'en ai eu, parce que là j'en ai eu 19. Alors je sais que j'en avais eu 16. Mais là, va falloir m'expliquer en fait. Et puis les 14, ils tombent, parce que j'en avais pas 14, j'en avais genre 4, il me semble. Moi. Donc on va consommer ça, hein, c'est mieux. Hein, mais Moi je sais pas, j'essaie de comprendre. Bref, on va se laisser ici les viewers, et du coup on va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.